Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vous savez, faire déguster les sushis, c'est un petit peu le nerf de la guerre de ma chaîne. J'en ai fait mais tellement de fois. Et notamment la vidéo la plus vue de cette chaîne, qui est une japonaise qui découvre des sushis français. J'avais fait ça vraiment il y a quelques années, c'était fait un peu à l'arrache tout ça. Maintenant que j'ai trois japonais à disposition qui sont venus en France, que j'ai fait venir, voilà, et bien je me suis dit pourquoi pas leur faire vivre l'expérience des sushis en France. Et bien sûr, on va pas cette fois-ci prendre que des sushis du supermarché ou des sushis dans un restaurant basique. Non, j'ai voulu aussi leur faire déguster des sushis haut de gamme. Et qui de mieux que Hiro Seabe pour préparer ça. Donc vous avez compris dans cette vidéo, on va passer du meilleur sushi possible en France à ce qui se fait de plus... Voilà, vous avez compris. C'est parti, on commence tout de suite. Ils m'ont dit quand même en rigolant qu'ils avaient peur de tomber malade avec les sushis français, et justement. Avant, au Japon, on associait beaucoup les maux et les maladies au yokai, au paranormal, ou alors encore au dieu. Et il y a encore aujourd'hui des personnes qui croient dur comme fer à l'existence de ces esprits malfaisants. Et je vous avoue que ça me rappelle beaucoup le manga Dandadan qui fait un carton dans le Shonen Jump depuis plusieurs mois. Et ça tombe bien, mesdames et messieurs, parce que les tomes 1 et 2 sont sortis en France depuis le 5 octobre. Et tu l'auras compris, c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Est-ce que ça fait pas plaisir que le sponsor soit clairement la pépite manga 2022? Oui, clairement oui. On commence avec un duo de protagonistes où ça mélange combat shonen, romance et tranche de vie. C'est la première fois que je me sens autant impliqué dans une histoire d'amour entre deux lycéens. Il s'agit de Momo et Okarun. Momo, elle croit pas aux extraterrestres, mais aux fantômes. Et pour Okarun, eh bien, c'est l'inverse. Et la réponse, tout du moins dans le manga, c'est que les deux existent. Franchement, le premier combat contre Mami Turbo est incroyable. La ref avec les yokai dans les tunnels, le style de dessin, la résolution, vraiment, j'adore. Et vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est édité chez Crunchyroll. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ce sont les mêmes qui ont la plateforme animée, anciennement Kazé et maintenant Crunchyroll. Vous avez un lien dans la description pour les commander, mais bien sûr, vous pouvez aussi aller en librairie. Comme je vous l'ai dit, ils sont disponibles depuis le 5 octobre. Et franchement, franchement, ça me ferait plaisir. じゃあ皆さんみんな来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。本当にフランスの一番高級な寿司を出しましたので。Bonjour aussi à toi. Bah bonjour à toi Louis. Quel plaisir d'être à nouveau ici. Pour moi c'est un véritable honneur et un vrai plaisir d'être ici aussi pour vous présenter en tant que japonais natif le sushi tel qu'il peut être représenté au travers de sa forme la plus qualitative sans aucun compromis en tout cas sur la qualité. On va démarrer donc cette dégustation avec du yellowtail hamachi. Accompagné de ces sashimi, vous avez également des edamame à la fleur de sel de Guérande.本当すごいです。ハマチめちゃくちゃ美味しかった。枝豆の塩がやっぱり日本とは違いはない。なるほど。確かに不思議。ちょっと日本のあっさりさとは全然違う。すごい詳しい。サーモン日本よりも好きかもしれない。めっちゃ美味しい。すっごいジューシー。脂身を感じるサーモンはいっぱいあるけど、甘みを感じるサーモンってあんまりなくない。いや本当にそれぞれのソースが本当にそれぞれの刺身に合って、これすごい。 日本の味とちょっと違ってるでしょ。違う。不思議、フランスで寿司食べて感動してるってどういう状況なんだろうね。寿司ってかまあ刺身。シェフありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ああ、これめっちゃいい。めっちゃいいこれ。めっちゃいい。今だから一気に飲まないようにした。本当は一気に飲みたかったけど。めっちゃうまいんだけど、すっげえ甘みがいいこれ。わ、これは美味しいな。 結構日本酒大好きで高級な日本酒のバーとかよく飲みに行くんですけど、これは美味しいですよ本当に。でも甘すぎないから食事の邪魔しない。辛みがちょっと後から来るんですよね。後味の辛みが。これがすごく。すごい美味しい。そう、すごい。あ、ポーチュージョン。めっちゃ好きだから。ちょっと今パリにいるのを忘れそうですよ。マグロとか本当食べたことがない味なんだけど、日本人でも大丈夫というか、むしろ新鮮でもっと食べたいって思える。これすごい。 母の気持ち。もうよかったね、ショーンっていう気持ち。いいですか？じゃあちょっともうちょっとだけ飲みますね。こっちはで。よく見て。実は以上。これから料理が来るんですね。そうですね。バーデリニー。 français、tu es à la japonaise en Ikejime。はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。いただきます。タレが美味しいね。そう、なんかあと米の寿司酢のお酢が。Bonne question。C'est un vinaigre de riz ambré qui s'appelle le Fujisu。Je pensais pas qu'ils étaient aussi
pointus dans les sushis, c'est-à-dire qu'ils sentent la moindre différence, ils sentent par exemple le vinaigre qui est utilisé là, c'est pas le même, ils le sentent tout de suite, et c'est même pas avec la couleur, parce que là on pourrait dire quand on voit du riz comme ça, tout le monde se dit bon peut-être qu'il y a de la sauce soja dedans, non pas du tout, c'est un vinaigre ambré qui est utilisé, et ils le sentent instantanément, ils sentent aussi que le vinaigre n'est pas super fort, et je vous avoue, je suis surpris de ouf, ils ont une culture du sushi qui est vraiment mais exceptionnelle par rapport à un mec lambda quoi. J'essaie de leur faire deviner combien de pièces va y avoir aujourd'hui. Du coup, ils me disent 6, 8, 10. Et c'est marrant parce que c'est à peu près le nombre de pièces qu'il peut y avoir dans un sushi classique au Japon. Quelque chose de luxe. Kota et wa, nizu. Wa. Oui, taïwa. Je suis un peu plus sûr. 10 fois 1, c'est ça. Itadakimasu. Itadakimasu. Ah, ah. セミのこと嫌いか機械に入らないのか昔はこっちに先にこっちに。Ça, c'est un poisson quand même très particulier parce qu'en France, on le propose souvent cuit dans les restaurants parce que c'est un poisson très fragile, le Saint-Pierre de Bretagne. Donc là, on est face à un poisson très rare dans le sushi en France puisqu'au bout de 24 heures après sa pêche, déjà, il a déjà un peu tourné et on ne peut plus le consommer en cru. Donc il faut une fraîcheur maximale. そう。 うわー。 10年年取った醤油です。だからちょっと濃いんです。あ、たまり。いただきます。いただきます。あの海苔の香りとか、そう。カニの旨味、手醤油、全部。全部合ってる。全部合ってる。醤油の。あ、いいの、聞く。Ils ont kiffé en fait, c'est surtout on sent beaucoup là, elle dit on sent tout, c'est ça qui est fou, c'est qu'on sent tout très bien. T'as pas du plus de crabe par hasard, si je suis en train de te dire. Si, si. Mais attendez, attendez. Attendez, kanimoto kani arimasu. Honnêtement, merci beaucoup. En fait, là, je suis en train de les appâter. Ikari ni kawaru no kamashii. C'est ça. Ashitano sono sushi mo chef ga tsukuru. Ah, c'est ça. Kyou wa chanto nanka mo, chanto manzoku shite kudasai. Kono hito warui hito desu. Ore wa Pari ni kite, sonna emotional na jet コースターに乗る気分ではなかった。もう登ってる。ゆっくりゆっくり登ってるでしょ。悪い人だね、この人は。なんか日本普通に食べてるよりなんかこの超えて、超えてどんどん登って。フランスすごいじゃない。すごいじゃない。すごいじゃない。そうそうそう。Et après ça va être les sushis du supermarché, les sushis donc basiques on va dire avec des brochettes. J'ai réussi à faire en sorte qu'ils ne sachent pas qu'il y a des brochettes dans les sushis japonais habituellement. Et le dernier truc, ce sera un petit peu, j'ai vu une enseigne voilà qui faisait des sushis un petit peu spéciaux. Je me suis dit on va leur faire goûter ça. Et ça pour le coup je pense qu'ils pourraient apprécier. Par contre ceux du supermarché et les autres, déjà comment ils ont réagi sur la vidéo supermarché, tu te dis mais comment ils vont apprécier ça. Amy elle a quand même dit je préfère bouffer de la cervelle de veau que de bouffer des sushis. On est du coup sur du caviar et le meilleur caviar au monde. Un des meilleurs caviars au monde. Caviar, t'as pas d'alimas quand même. Ah, alimas, alimas. Ok, je leur ai demandé est-ce qu'ils ont déjà mangé du caviar dans leur vie. Oui. Caviar, Ossietro Gold, Haidozo. いきましょう。日本の皆さん見てますか。いただきます。あでも香りももういいね。うわ。Tu vois, il y a un truc avec le caviar. Depuis que j'ai fait la vidéo avec Tev, j'ai compris que certes c'est super cher, mais c'est pas pour rien. Avant j'étais du team, c'est des boules salées. Et après quand tu fais les trucs stylés, tu comprends que c'est pas que des boules salées. これは一応僕食べたことあります。ね、うん。何を食べてるのか全くわからないぐらいすごい。食べる前からセボンがすごい。セボンがすごい。贅沢さがすごい。え、これすごいな。奥さんごめんなさい。喧嘩売ってるじゃん。逆に。It's over. Now it's done. Donc là on est sur un nigiri sushi, bœuf de Kobe, jaune de caille, mariné 6 heures dans une sauce soja au gingembre frais, avec son caviar Ossietro Gold, sa sauce umami à la gelée royale de miel de bruyère et sa ciboule japonaise en topping. Haidozo. Ikkini tabetta hoga ii no ka? Ikkini. Ikkini?さあ、どうした？置いて、置いて。マジで泣きそう。超やばい。いろいろなフレーバーが上に乗っかってて、でもやっぱり最後のソースがあるからこういう味もあって、甘みもあって、コクもあって、でその卵のなんか、そう。これ以上は出てこないでしょ。なんか多分卵かな、漬け卵だから塩味が最初すごく印象強いんだけど、その後卵の甘みとキャビアのコクが合わさって、最後に肉のサシの脂が来るから生まれてきてよかった。
Bon, vous avez vu, là, il commence à se faire tard. Là, on est avec des lights, tout ça. On est vraiment tard le soir. On a décidé de juste montrer les créations. Et en fait, c'est finalement le plus intéressant parce que là, ils avaient des sushis un peu qu'ils connaissaient. Bon, j'avoue, le dernier, c'est pas un truc que tu connais. Hein. Là, cette fois, c'est des créations. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué quand on avait fait la première vidéo. Et donc, c'est ça que j'ai envie de leur faire découvrir, c'est des goûts qu'ils ne connaissent pas. Du coup, là, on est sur une des pièces création. Inverser le maquis, c'est-à-dire mettre la feuille de noli à l'intérieur et le riz à l'extérieur avec du sésame, ça, c'est le genre de truc, ça les enfin, c'est pas que ça les choque, ils ont vu trop de mauvais sushis avec ce genre de type, quoi. Du coup, ils se disent, ouais, ça c'est des sushis pas ouf. Là, ils savent très bien que c'est pas ce genre de truc qu'ils vont manger, mais ils sont très curieux. J'ai essayé de retrouver dans cette création originale les souvenirs d'enfance du Japon et des saveurs un petit peu justement qui ont été associées à des saveurs françaises pour justement définir ma double identité culinaire. Très particulier parce qu'on joue avec de l'acidité, de l'amertume, on est vraiment dans une pièce épicurienne. Uramaki sushi aux pinces et queue de homard bleu de Bretagne, tête d'asperge cuite à l'anglaise, tuile d'avocat avec sa feuille de shiso, sa mayonnaise fraîche aux 7 épices japonaises, sa sauce umami à la gelée royale de miel de bruyère et son suprême d'orange à dessert. Haïdo, onegai shimasu. Ah, C'est la dernière pièce. Il est très tard. Là, il est très très tard. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on commence à aller très loin. Enfin, genre, la définition de sushi devient très large. Mais c'est là où c'est le plus impressionnant parce que là, c'est là où ça devient le défi pour faire apprécier ça aux Japonais, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des sushis qu'on peut habituellement voir au Japon. Jamais tu trouves ce genre de choses. J'aime bien, ils sont tous en train de s'excuser auprès de leurs femmes et de leurs amis, de leur maman, de dire désolé, je suis à Paris et je suis en train de manger le meilleur sushi de ma life. Uramaki sushi with foie gras de canard mi-cuit du Périgord, truffe blanche d'été, tête d'asperge cuite à l'anglaise, bœuf de Kobe avec sa sauce umami à la gelée royale de miel de bruyère et son toast de pain complet finement moulu accompagné de sa ciboule japonaise. Haidozo, onegai shimasu. いろんなものをこう見てきてどうなるんだろう口の中でどうなるんだろう全部がこう香りが立ってフレーバーがすごい強い。Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au dernier. C'est ça qu'ils ont mangé, ils ont kiffé. C'est le dernier où on arrive au pic et on commence à voir le, on commence à voir le là où on va tomber. Ashita mao. Yeah. Emi wa dou. なんかこのいろんな寿司食べて。日本酒とお茶はいただいてたけど、料理だけでペアリングで食べてる気持ちだった。なんかそのワインのペアリングのコースとか行くけど、これだけでマリアージュが全部揃ってるからすごく楽しめた。ごちそうさまです。ありがとうございます。いやちょっと謝らなきゃいけないことがあって、最初フランスのお寿司って聞いてたから。まあ、日本より美味しくないだろうなと思ってた最初は思ってたけど今食べたら謝りたくて、うん、もうすごく美味しいしもうなんだろうなもう寿司の枠を超えてるぐらいもう本当に寿司としても美味しいけどそれ以上にも美味しいからこれは本当になんかね À partir de là, on va passer maintenant à la dégringolade, ou peut-être pas en fait, parce que je critique comme ça, mais ça se trouve, ils vont apprécier aussi. On va passer à des sushis, on va dire, plus normaux en France. Kobe. Kobe. Rice. なんで？あ、味噌スープがあります。味噌汁。足りる。ソースが足りる。たこれか。Je vais indiquer un petit peu pour le début, pour savoir dans quel ordre faut manger quoi, et on va commencer avec la salade de chou. Écoutez, qui n'a rien de japonais. コールスロー。コールスローだ。マジですか？めっちゃコールスロー。え、でも漬物匂いしますよ。じゃあいただきます。いただきます。酸っぱいよ。うん、コールスロー。待って。待って。ごま油。ごま油が変に効いてる。マジでよくわかんない、これ。あ、こういうアレンジの仕方があるんだな。フランス人は甘い醤油で食べてます。
ビール飲んでいい？漬物ってもともと何かにつけてるものだから、それに醤油をつけるって漬物つけ。C'est bien pensé ce qu'il vient de dire, c'est qu'en fait à la base ça c'est des petits trucs en fait qui rajoutent au Japon vite fait. Et là il est en train de dire ils ont rajouté des trucs sur lesquels on rajoute des plats, donc ça n'a aucun, enfin, bref ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. あれなんよ。なんつうの？出さ、出す？なんで普通に食べられてるんですか？お前、俺普通に食えてる。日本帰って作ってもいいかなぐらいの。超無理やりね、合わせてもらってきてる。あの人が、あの人がおかしい、あの人がやっぱり。大丈夫だから。みんな、味噌汁でお願いします。開けてびっくり、シャンピニオン。美味しい、いただきます、日本料理って書いてあるから、絶対美味しいんですよ、これ。いただきます、日本料理。いただきます。あ、料理した時に失敗して味噌入れすぎた時の味噌汁これ。後からマッシュが追いかけてくる。うんうんうん、美味しいでも、うん。でも味濃いな、ちょっと僕としては。Alors ils sont en train de dire en fait que la soupe miso est plus forte, enfin le goût est plus prononcé que ce qu'il faudrait. Puis on dit souvent que le miso il y en a pas assez, enfin genre du coup en mode c'est trop asai on dit en japonais, donc du coup c'est le truc est trop léger. Donc là finalement c'est presque une bonne pioche. Tofu いました。あいた？すっごいちっちゃいの。俺いないんだけど豆腐。あいたいた。いたいたいたいたいた。100点満点だと何点？50。まあ60ぐらいじゃない？うん。フランスに来て味噌汁飲みたいって思った時に、ここもなかったらこれ飲む。さっきのこのサラダは2点だね。2点。2点。2点。ゼロ。あの、でしょ。ゼロ。普通にうまかったんだけど。なんていうの、ピクルスとしては正解でしょ？ああ中華料理やな。ああ懐かしい。アイスが違うんだ。あ本当だ、もう違う。うんうん、これ米だけだと辛い。うん、なんでダメなのみんな。日本帰るよ。70。50。50点。ちょっと待って。お前ジャリって言った。ああ辛みたいなやつね。うん、ごめんなさい、あの石入ってたんで。やっぱ2点です。まず匂いお願いします。匂い、わさび、なんか変な匂いしますよね。我慢の変わんないってことはお酢がきついのか、うん、お酢とあとわさびの両方、両方がガッとくる感じ。色が悪い。うん、色は悪いですね。米と具のバランスが悪い。なんか米超でかい。でかっ、米やばこれ。シャリがすごいことになってる。なんかシャリべちゃべちゃじゃない？べちゃべちゃ重い。重い。まず重い。てかもうそう、あの、いきまーす。めっちゃ。でも、はいはい、ん？ご飯が甘い。ちょっと色が悪そうなマグロもいきますよ。色が悪い。なんか後からやだ。え、マジっすか？え、だって見た目そんなに日本と変わらないから。大丈夫だと思う。米が。大丈夫だと思う。米が。うわ、嫌だな、これ。作った人に申し訳ないけど、これはまずいな。これ多分、お酢の甘みが残念な感じなんじゃない、うん、なんかもう、具がどうでもよくなる、これ。分けて食った方、分けて食ったらどうなんだ、これ。こっちだけで。いや、具も悪いな、これ。米だけじゃないな、これ。最初、生臭さが来て、あ、臭いと思った瞬間に米の、は、甘い！甘いってなって。Ils essayent vraiment, mais...Je vous jure, c'est pas des manières ou quoi. Puis là, je suis même pas là pour les influencer ou quoi que ce soit, tu vois. Ils étaient en mode même au début, ils m'ont dit on espère en vrai que ça soit meilleur que ce qu'on pensait parce que bon, voilà, on nous a dit que blablabla. Changement de tactique, on passe sur la sauce sucrée. なんか甘い醤油が米と合わさると。なんか甘いのがいい意味でカバーできて賞味期限が切れたみたいになってる。これは結構辛いな。絶対食べたくないんだけど。ダラッとしてる感じがすごい、うん、はい、いただきます。わさびの量多いんだよ。米がなければ美味しかった。あ、生臭くないですか？うん、大丈夫。大丈夫。米と具の見た目は日本っぽかったから2点。ゼロって言いたい。でもむしろその醤油とかつけなかったら5点とか食べれなくはなる。あ、これはこういう、
何フュージョン料理なんだなと思ったよ。63点とかね。でも寿司として、ね、フュージョンって言ってる時点で寿司じゃないのよ。寿司じゃないから寿司として0点で寿司として0点ですよ。寿司でしょ。Bon, la note pour les sushis est assez violente, hein, bien sûr. Mais ce qui était rigolo, c'est que je vous l'ai raconté. Quand on était au sushi, en fait, il y avait un plat où ils se sont gourés dans l'orthographe. Mais ils ont fait la pire des fautes. Il y a un sushi au radis mariné qui s'appelle Oshinko Maki, en fait, en japonais. Ils ont oublié le N. En fait, juste de Oshinko, ils ont oublié le N. Et du coup, ça se lit Oshiko ou alors Oshiko Maki. Et qui veut dire littéralement Maki au pipi. C'est un peu dur. Pourtant, visuellement, ils ont pas l'air si dégueu. Oshinko wa majigatte wa inai tomo. Demo, nori no majigatte chou. Radim marine, il est un peu fort, mais ça va. Demo, daijoubu da, kore. Ikura. Ah, ja ikura itadakimasu. Ikura daisuki. Mou Nihon de ikura chou suki da kara. Gunkan maki no kome ga katte na yo ima. Aji wa mazuku nai desu. Oi, sonna ni めちゃくちゃうまいわけじゃないけど、いくらだけなんかこのご飯を忘れたら、これだけだと80点ぐらい、そんなに悪くない。Donc en fait, le ikura, donc les autres saumons, ne sont pas mauvais du tout. Ils disent que c'est un bon produit. Par contre, en vrai, ce qui casse tout, c'est le riz. Ah ouais, c'est violent. Votre fromage. これに俺ちょっと自信ある。うん、美味しそう。これは。でも、ダメだ。なんかもう全部拒否。だいだいだい。はい、いただきます。うまいね。うん。あ、うまい。うん。これめっちゃ好きだ。Ouais, ce qui m'est chosky. Je suis grave content qu'ils aiment le bœuf fromage parce que même moi en vrai, enfin je sais pas, c'est bon, tu vois, ça ressemble à rien de ce qui existe au Japon, mais du coup je trouve ça bon en vrai. Au Nihon, Nihon, si. Des gens, on a tout de suite. Izakaya poi. Des gens, attends, t'as vu. Ah, qui ça? Nanka, yuku wakanai, tareto. Ah. Niku no, nani. Abura. Abura mito. Eien ni boko nagri mitaina kanji natteru. Dozo. Itadakimasu. Ah, demo, kore wa fuchu.重っ焼き鳥にしては重いなこれ結構噛まないとやばいあの甘いなんか全体的に全部甘いねそう今どんどん落ちてるルイ見た誰も携帯でこうやって写真とか撮ってないビデオとか誰も撮ってないねじゃあ私はスーパーで買ったお寿司ちょっと何も言わないけどこう手開いてこうやって重みおもっ何これ見た目の見た目の2倍重い重いMoi je pense personnellement que ces sushis là seront meilleurs que ce qu'ils ont eu dans le resto すっぱいあなんか変な匂いするコールスローの匂いがするコールスローだこれあ、俺さっき食べたよコールスローねあ、来た。あ、来た。いろんな味がぶつかり合って何が何だかわからない。アベンジャーズって感じ。アベンジャーズ。お米、サーモン、ボーン。なんか他のやつ、ボーン、バーバーバーバーン、終わりって感じ。食べれはする。こっちの方が。うん。あの、米の量もちっちゃいから、なんか、まだいける。次は、こちらに行きますね。さっき車酔いのために飲んだ薬が違う方向で効いてきそう。七味唐辛子かなんか入ってるんですか。それともふりかけ。あ、je sais même pas ce qu'ils vont manger pour le coup。いただきます。これ美味しいよ。美味しい？米が悪くない。なんかアボカドとチーズだこれ。あ、そうなんかそれがすごくあのお米に合ってる。Oh, c'est une grande réussite du supermarché. Je suis content parce que du coup ça veut dire qu'ils sont au moins objectifs. Enfin ça, là ils savent très bien que ça vient du supermarché et pourtant ils trouvent que finalement c'est pas trop mal en vrai. Ils sont contents. Je suis content. 一つ目のレストランの点数とスーパーの点数。あ、なるほど。さっきのレストランは総合で2点。2点。あれはいつでも2点。これは30点。すごいね。30点。だから15倍美味しい。15倍美味しい。なんかゼロで。2これが2? 無限に美味しいじゃん。ゼロだからさ。ゼロかける。ゼロかける。何でもいいよ。どっちの方が好きだった？好き？まあこのどっちの方が好き？もう一回やらなきゃいけなかったら、どっちの方を選ぶ？最初の方。でも、50点超えない全員。それはもちろん。それはもちろん。Alors, ceci, c'est un peu l'innovation. 日本とペル。ペル、ペルのフュージョン。ペル、ブラジルボックス。ブラジルボックス。ブラジルボックス。ブラジルボックス。一瞬あれかと思った。あのペインティング。阿部さん。昨日の阿部さん。阿部さん帰ってきて。なんかすげえなんか宇宙の寿司みたいな。中がカーニバル。やりたいことはわかる。なんか全部バラバラ。酸っぱいみたいな。あ、
C'est de la merde, je suis désolé. Tu vois, moi, Fusion, il y a ta gara. ちょっとはなんか、ね、ちょっと期待して、ちょっと期待してた。せやめや。寿司としてじゃなくてね。もうもう、オッケーね。え、ほん、え、そんなにやばい？スパイスが。え、いきます。ないな。ないな。J'ai rien contre la cuisine fusion parce que j'en ai déjà mangé, mais quand j'étais en Espagne, c'est super bon. J'avais mangé des sushis un peu qui étaient un peu, voilà, un peu traficotés comme ça. C'était super bon. Là, ça n'a aucun sens. なんか寿司の後にオレンジジュース飲んだみたいな。クリームサーモンラスベガスなんとか。オッケーオッケー。ん？あれ？あ、あり、あり。シンプル。シンプル。Écoutez, nous arrivons à la dernière pièce. Et la dernière pièce de sushi que je voulais leur faire goûter, ça ne peut pas en être une autre. C'était évident. Je suis même allé dans une autre enseigne juste pour prendre ça. Il s'agit bien sûr du maki Nutella. これがフランスマキシマムパワー。Nutella。なんでそことそこ一緒にしようとしたの？どうぞ。頑張ります。ルイって食べたことあるの？あるよ。ルイは好きなの？好きじゃないよ。Est-ce que tout le monde est prêt？ はい、はい、チンチン、はい、チンチン、チンチン、チンチン、3、2、1。ママ、おお。みんな黙る。Non c'est bon. Non c'est bon. Il y a non c'est bon du dos. Il y a aussi quand t'as. Non non c'est bon. Non non c'est bon. Non non c'est bon. Non c'est pas bon. C'est pas bon. Tessu. Bière, s'il vous plaît. Tessu. Quand Tessu, tu dis 100, c'est que ce monde existe. よろしい。ゼロはこのものは存在してダメです。これ多分全員 一斉に言えると思う。せーの、ゼロ。ゼロ点。こんなダメだよ、あっちゃダメだ。En vrai, vous savez, moi je les trouve, de ce côté-là, je les trouve un peu sévères parce que, en vrai, à partir du moment où tu sais que c'est pas un sushi, tu vois, certes, le riz et le Nutella ça va pas du tout ensemble, mais en vrai, le Nutella est tellement fort comme goût, ça masque tout. Du coup, moi dans ma tête, je me dis, bon, c'est pas un sushi, c'est de la daube, mais ça va encore. Mais eux, apparemment, non, c'est pas. なんだったらマイナス100だよ。これ食べるんだったらお金もらいたい。お金もらって食べたい。もう一つ食べるには。は？な、いくら払える？いくら払える？いくら？1億。1億。1個なら5万円でいい。売ってるお店があるってことだよね。どこでも売ってますよこれ。どこでも売ってんの？ごめん、ちょっと怒っちゃった。じゃあ全体的の点数、フランスの寿司はどうでしたか？もうコンクリュージョンみたいな。だってさ、昨日のですっごい上がって、今のでもうなんかこう。地下4階ぐらいにいるの。まずいと分かってたでしょ。うん、想像以上です。汗かいてきたもん。めっちゃ汗かいてるもん今。Bon bah écoutez, voici, c'était la conclusion des japonaises sur les sushis français. Voilà, j'ai fait le top jusqu'au basique finalement. Je suis pas allé chercher les trucs les pires du monde non plus. Hein. Donc voilà, c'était l'aventure des japonais qui goûtent les sushis français. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Il y a encore des aventures des japonais qui vont sortir sur cette chaîne. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. Gamba tenemin.